Le but, c'est Mike Maignan, Paolo Maldini avec Baresi en défense centrale. Et pour finir. Ah oui, le bon ballon, regardez! Oh, le but de quelques minutes seulement! Et déjà un but dans ce match! Bombasso! Regardez, la difficulté, ce n'est pas la technique quand on est si près du but. Le plus difficile, c'est le timing. Être là, ni trop tôt, ni trop tard. Ouais, il prend le meilleur là sur l'adversaire. Et ça peut être dangereux. Et oui, le but, ce but pour reprendre le dessus. Cette rencontre bascule à nouveau. Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. On a la réception. Oh, attention à ce centre. C'est mal renvoyé. Attention aux conséquences derrière. Et la frappe part bien. Oh oui, le but du break. Nouvelle action, nouveau but. Mais quel réalisme! Mais qu'est-ce qu'elle fait la défense? Elle est partie où? Tu as le ballon dans les pieds, il y a le feu. La seule chose que tu as à faire, c'est d'appeler les pompiers. Mais au lieu de ça, tu fais un cadeau à ton adversaire. Ah, c'est récupéré très haut, ça. Et l'avantage se creuse avec ce deuxième but pour alourdir la note. Et oui, on revoit l'action. Tout démarre avec la défense qui s'est fait voler son goûter. C'est une zone très dangereuse. Après une prestation d'une telle qualité, son efficacité insolente, deux buts marqués et ce n'est pas fini. On le voit, le centre qui part. Tout le monde qui regarde et qui lâche son adversaire direct des yeux. À l'arrivée, ça donne une finition assez simple. Pas suffisamment de pression à la tombée du ballon. L'attaquant met sa tête. C'est incroyable! Regardez le ballon qui lui arrive dessus. Il s'émet légèrement de profil et d'un seul coup, c'est le corps qui parle et qui fait des choses extraordinaires. Quel golasse! Après une prestation d'une telle qualité, leur coach doit être très satisfait. Par un but, on n'arrive même plus à les compter, ça s'arrête plus, ça tourne à l'humiliation cette histoire. Voilà ce qu'on voit ici, c'est une mauvaise prise d'information qui entraîne ensuite une réaction en chaîne avec une perte de balle et surtout un but. Regardez la passe initiatrice du danger. C'est dans le moment de la passe que la différence est faite. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Le coach doit être ravi de ce qu'a montré son équipe. C'est remarquable. Et avec ce nouveau but, ça fait 6-0, score sans appel. Un nouveau but, quelle punition!
Mais non, dans l'autre sens. Le ballon était dans les pieds. L'intervention défensive est ratée et ça donne une occasion énorme pour l'adversaire. Moi, je suis le coach. Je vois ça. Je démissionne. Il n'a rien d'autre à faire. Regardez, la difficulté, ce n'est pas la technique quand on est si près du but. Le plus difficile, c'est le timing. Être là, ni trop tôt, ni trop tard. Et un score de plus en plus déséquilibré avec ce nouveau but. On le revoit ici, le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Il n'y a pas de secret. Quand la confiance est là, les buts s'enchaînent. Quand le mental est présent, les performances sont exceptionnelles. Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et pour finir, le duel à 2 contre 1, évidemment, pour le gardien, c'est impossible de le gagner. Après une prestation d'une telle qualité, leur coach doit être très satisfait. But ! On revoit ce but à le Carlos Bianchi au Pipo Inzaghi. Regardez, toute l'art d'être au bon endroit dans le bon moment, c'est ça, le buteur et le bonheur. Et l'arbitre siffle donc la fin du temps réglementaire. On en reste là avec cette victoire à domicile. La supériorité dans le jeu, dans la volonté d'être protagoniste du match, c'est tout ça qui leur a permis de gagner.
Et voilà encore une fois tout le but dans le centre qui est une offrande pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant. Et à la conclusion, un ballon à jouer assez proche de la cage, il ne manque qu'un coup de soufflage pour marquer le but. Le premier but de ce match, donc 1-0 au début. Tu mets le corps et tu joues le ballon. Le plus dur, c'est d'avoir eu l'idée de te placer ici. Deux buts remontés, c'est exceptionnel! Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et derrière, Laurent contre un gros boulet de canon dans le filet, hein, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Okay. Oh, incroyable, fou, délireux, exceptionnel. La contre-attaque sur le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et pour finir l'action, mieux vaut dribbler le gardien ou frapper en force? C'est la grande question des duels. Cette fois-ci, le passage en force lui a plutôt bien réussi. Le troisième but pour le hat-trick. Quel match! On le revoit sur ce plan. On a l'impression que tout est réussi depuis le début du match.
c'est très frustrant le métier des coachs dans ce genre de match. Quelle humiliation! On le revoit sur ces images, ce centre de départ bien appliqué qui surprend la défense. Un bon centre, c'est déjà la moitié d'un but. À la conclusion, ça termine sur la tête et ça vient se loger au fond des filets. Et voilà un match complètement déséquilibré.